On va parler d'une aventure fascinante de cette génération portée, menée, guidée par Ivan Kemwe, dit le coach Peggy de Sims de Bafoussam. Comment bien encadrer cette génération? Comment éviter de perdre une telle génération? Il y a plusieurs générations qui aujourd'hui, on ne parvient plus à les repérer sur les radars de notre football. Comment éviter de perdre une telle génération? RVK, la fédération d'hier n'est pas la fédération d'aujourd'hui. La gestion d'hier n'est pas la gestion d'aujourd'hui. Déjà, vous trouvez que la majorité de ces jeunes de U20, on les retrouve sur les U23 et on suit leur évolution au niveau de la diaspora. On espère, on souhaite d'ailleurs bonne chance à toutes les nouvelles générations de trouver des clubs ailleurs. Mais les filles du football camerounais, qui entraîne du pain, on espère qu'ils resteront au Cameroun, auront de temps de jeu, en national, en tout cas. Nous avons vu un coup de temps hier. Nous avons vu des jeunes de la première minute à la dernière minute qui n'ont pas marché au stade. Nous avons vu pourquoi on a mis l'accent et la fédération camerounaise aujourd'hui met l'accent sur l'âge. Parce que hier, on a vu que ces jeunes ont vraiment joué avec leur vrai âge. Et c'est ça qui pose parfois des problèmes dans les compétitions internationales où les pays étrangers passent le temps parfois à battre les pays africains à la dernière minute. Parce que nous ne tenons plus à la dernière minute. Et ces gars ont compris que nous coupons beaucoup l'âge et nous ne tenons pas à la dernière minute. Et c'est là où ils profitent des faiblesses. Hier, et je pense que Samuel Eto'o a compris, et nous-mêmes des Camerounais, on a compris que l'âge joue un rôle important. Je n'avais jamais vu un football camerounais aussi séduisant, aussi intéressant. J'ai cherché des joueurs qui marchent au stade, je n'ai pas vu. J'ai cherché des joueurs qui faisaient semblant, qui jouaient les stars au stade hier, je n'ai pas vu. J'ai vu des jeunes volontaires, j'ai vu le MLE. C'est ce MLE qu'on demande à tout le monde. Et c'est ce MLE, et tous les joueurs ont compris. Et d'ailleurs, à tort, d'autres vont dire que le discours de Samuel Eto'o en Tanzanie n'était pas un bon discours, mais je pense que ce discours est resté dans la tête de chaque joueur camerounais. Personne n'a sa place assurée. Pour avoir sa place assurée, il faut travailler. Et aujourd'hui, les autres qui ont coupé là et ils se sont dit non, nous allons profiter pour jouer sur les U20, sur les U23 et ceci. Ils ont complètement perdu leur chance, même s'ils étaient talentueux, ils ont perdu leur chance parce que la nouvelle génération, et ça perdait, on perdait comme ça des joueurs qui étaient talentueux, mais qui se perdaient dans la nature parce que le joueur étant bon à 17 ans, 18 ans, il était là parce qu'on privilégiait de celui qui était dans j'exagère, dans la quarantaine, mais qui a divisé son âge par deux. Il se retrouve à 40 ans, mais 23 ans, âge des papiers, à tel jouer chez les U23. Quand il est au stade, il a joué 45, même pas 45 minutes. 45 minutes, il est fatigué, il ne peut plus tenir. Et voilà, l'équipe en face profitait de l'occasion. Mais hier, avec l'accent, je maintiens le mot, avec l'accent qui est mis sur l'âge, on ne badine pas, l'accent qui est mis sur l'âge, on a vu que l'âge a joué hier. On a vu les jeunes qui ont joué hier, qui n'ont pas marché au stade, et tout le monde était fier hier de dire « Je suis Camerounais ». Ces jeunes-là nous ont montré, nous ont donné l'espoir, et on se dit qu'ils continuent comme ça, peut-être les portes vont s'ouvrir à beaucoup qui vont signer des bons contrats dans des clubs étrangers. Et ceux qui resteront sur le... au Cameroun, je souhaite qu'il frappe à la porte de l'équipe nationale et qu'on évolue et que des stars qui se disent stars, qui ont déjà signé des grands contrats et qui viennent jouer à l'équipe nationale avec la puissance, se disent aujourd'hui, il n'y a plus ça. Si ils font chier, on va intégrer cette nouvelle génération qui joue avec le cœur, qui joue avec la volonté, qui joue avec le MLE, pour honorer le vert ou jaune. Tout le monde a vu qu'il y a la relève à Rigobertson de faire le bon travail. Il y a la relève.